Je pense que vous me reconnaissez parce que vous étiez en province en début de semaine. Je suis revenu vous voir. Donc j'assiste énormément. Alors... Emmanuel, on s'est vu à Lyon cette semaine. Moi, je vois bien que vous êtes en détresse et en souffrance. J'étais dirigeant d'une société et cette société a marché très bien et en fait a été liquidée salement en fait. Tout simplement, j'étais dépanneur et je travaillais pour l'État. C'est un dossier de procédure qui est très lourd. Parce que là, tous mes droits fondamentaux sont touchés. Puisque du jour au lendemain, je passe de quelqu'un qui a des résultats positifs à quelqu'un de surendetté. Mais au-delà de ça, ça a des conséquences extraordinaires. Puisque si on reprend toute la procédure depuis que j'ai ouvert la société jusqu'à aujourd'hui, j'en suis à 57 jugements. Et donc, je vois bien que vous êtes aujourd'hui, vous avez été confronté à de la malveillance, à des problèmes de procédure, à des rigidités du droit, ce que moi je peux régler. Je me suis retrouvé quand même SDF pendant 2 ans, j'ai dormi dans ma voiture pendant 2 ans. Ça c'était en 2016, jusqu'à 2018, jusqu'à ce qu'on m'attribue un nouveau logement social. C'est les rigidités du droit qui fait qu'en effet, quand on est un acteur comme vous, on est complètement sorti des marchés publics et des appels d'offres du jour au lendemain parce qu'on tombe dans des procédures. C'est ce que vous avez dénoncé. Et après, c'est un dossier très particulier. Donc moi, si vous l'acceptez, si vous êtes d'accord, on peut se prendre 2 minutes à la fin. Mais j'ai votre dossier. Vous m'avez donné avec toutes les décisions de justice. Je ne l'ai pas mis à la poubelle, ce n'est pas mon genre. Donc il est auprès de mon conseiller juridique. Il va faire travailler les services et quelqu'un va vous appeler pour vous aider. Plus personne ne me répond. Voilà, et je continue, comme l'avait indiqué le président de la République, mes enfants que je ne vois plus régulièrement et que je ne peux plus élever depuis tous ces problèmes en fait. Mais en tout cas, moi je m'engage à ce qu'on t'apporte la réponse. Et là, c'est pas fini. Là, c'est que le début.